Bonjour! Vous avez peut-être entendu parler de cette ville de Syrie, nommée Palmyre. Elle est connue pour son site antique, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, mais surtout et malheureusement pour les nombreuses destructions qu'elle a subies en 2015 sous le régime de Daesh. Mais pourquoi parler de Palmyre puisque ce n'est ni une femme, ni le titre de l'épisode? Tout simplement parce que la vie de Zénobie, que je vais vous raconter tout de suite, incarne le moment de l'histoire où Palmyre brilla bien au-delà de ses frontières et tenta de s'imposer comme l'égale de Rome. Rien que ça. Zénobie naît à Palmyre vers 240 après Jésus-Christ. Son nom romain est Julia Aurelia Zenobia, mais elle est aussi parfois nommée Septimia Zenobia après son mariage. Sa famille porte des noms araméens, mais il est possible que sa mère soit originaire d'Égypte. Zénobie connaît ce pays, sa langue et sa culture, et prétend descendre de la lignée de Cléopâtre VII ainsi que de la reine Didon de Carthage. L'histoire d'Auguste fait mention d'une déclaration impériale de 269 dans laquelle Zénobie qualifie Alexandrie d'Égypte comme la cité de ses ancêtres. Son père se nomme Julius Aurelius Zenobius, signe qu'il possédait la citoyenneté romaine. Il est issu d'une famille notable de la ville et est nommé gouverneur de Palmyre en 229. Zénobie est décrite comme belle et intelligente, plus encore que Cléopâtre, la référence de l'époque. L'auteur de l'histoire d'Auguste lui prête de nombreuses qualités, celle d'être chaste mais aussi d'aimer chasser, monter à cheval, de savoir diriger et prendre des décisions avec tempérance. Lorsqu'elle devient reine, elle n'hésite pas à accompagner ses troupes au combat, à pied ou à cheval. Cette description dans l'histoire d'Auguste n'est évidemment pas à prendre au pied de la lettre puisqu'elle vise un intérêt politique et est rédigée par une personne qui n'a vraisemblablement jamais côtoyé la vraie Zénobie. Elle constitue cependant l'une des principales sources sur cette période, avec la Res Gestae d'Amien Marcellin et l'histoire nouvelle de Zosime. En 251, Palmyre devient une principauté vassale de Rome. Les dirigeants de la ville sont également une famille de citoyenneté romaine et prennent le titre inventé d'exarque des Palmyréens. Odenate, le prince qui nous intéresse, a même été sénateur romain un petit moment. La ville a une importance économique et stratégique pour Rome, puisqu'elle se situe au carrefour de la Méditerranée et de l'Asie, et contrôle donc pas mal de routes commerciales. Zénobie épouse Septimus Odenate en 256. Il a déjà un fils issu d'un premier mariage, Eran, et un deuxième enfant né de leur union en 266. À cette époque, l'Empire romain va mal. Il subit des invasions barbares sur le Rhin, sur le Danube, et le long de l'Euphrate avec les Perses. Les empereurs romains se succèdent sans succès et très peu meurent dans leur lit. Faute de moyens, ils se contentent de défendre le front danubien pour protéger l'Italie et les autres provinces doivent se démerder par elles-mêmes. Certaines régions se dotent alors d'un chef local, comme la Gaule par exemple, qui instaure une lignée d'empereurs pendant 10 ans, non pas par volonté de sédition avec Rome, mais parce qu'il y a urgence à se défendre. Vers 260, l'empereur Valérien confie la défense de la région à Odenate et lui demande de marcher contre les Perses, ce qu'il fait avec succès puisqu'il remporte une première bataille contre eux en 261. À partir de là, il se proclame grand vainqueur des Perses, roi des rois, bref, il prend le melon mais devient l'un des hommes les plus célèbres de son époque. Ses victoires font de lui le maître de la Syrie et de la Mésopotamie, toutes les deux reprises aux Perses, et les 5 légions romaines de la région se rallient à lui. Tout va pour le mieux, Palmyre retrouve sa sécurité et Odenate défend l'Empire en poursuivant les Perses jusqu'en mer Noire. C'est là-bas, d'ailleurs, qu'il est assassiné en 267 avec son fils, par un proche qu'il accuse de vouloir usurper le trône impérial. Rien ne prouve que c'était le cas. Odenate n'a par exemple jamais frappé de monnaie à son nom. Usurper le trône n'était donc soit pas son intention du tout, soit il n'en a pas eu le temps. Au moment de son assassinat, Wabalat, le fils d'Odenate et de Zénobie, n'est âgé que d'un an. Zénobie hérite alors de tout son royaume, de son armée et des fidèles de son mari. Elle prend le titre de reine, bien qu'il n'existe pas vraiment d'empire de Palmyre, et de mère du roi des rois. Zénobie est un peu plus ambitieuse que son mari. D'abord, durant 3 ans, elle essaye d'imposer son fils comme empereur d'Orient, en reconnaissant que l'empereur d'Occident conserverait un rang supérieur. Ça va. Elle fait qualifier Wabalat d'empereur sur des bornes et documents, ce qui constitue déjà un coup d'état, mais continue de qualifier l'empereur d'Occident d'Auguste. Et non, ce n'est pas un clown. Si vous connaissez un peu l'histoire de l'Empire romain, vous savez peut-être qu'il se sépare effectivement en deux en 285, soit 15 ans seulement après la défaite de Zénobie. Car spoiler, elle va perdre. Mais tout ça pour dire que la division de l'Empire n'était ni une idée sortie de nulle part, ni irréalisable. Il était même déjà arrivé que l'Orient soit confié temporairement à des hommes de confiance en temps de crise. Bref, son royaume est reconnu par Rome jusqu'à un certain point. Zénobie tient sa cour à Palmyre où elle s'entoure de lettrés, de philosophes, notamment Callinicos qui lui dédie un livre où il la compare à Cléopâtre. La classe. En 270, justement, elle conquiert l'Égypte et expulse le préfet romain Ténagino Probus. Elle le fait ensuite exécuter lorsqu'il tente de reprendre le territoire.
Elle se proclame alors reine d'Égypte et impose un chantage à Rome, puisqu'une grande partie des ressources et des impôts de l'Empire proviennent d'Égypte. À partir de là, elle frappe monnaie à son image et à celle de son fils, fonde une ville, ce qui est bien un truc de souverain, et parle sur ses actes publics du règne commun de nos seigneurs Aurélien et Wabalat, Auguste. Mais malgré tous ses appels du pied, Aurélien ne répond toujours pas à cette demande de partage. Du coup, elle décide de marcher sur Rome. Encore une fois, l'idée qu'une famille provinciale puisse prendre le pouvoir à Rome n'est pas si folle. En cette époque troublée, en plus, tout peut arriver. L'Empire a déjà été dirigé par un Libyen d'origine phénicienne, Septime Sévère, et par le bien nommé Philippe l'Arabe, 20 ans avant Zénobie. Même l'empereur actuel, Aurélien, était à la base un militaire né paysan dans la région du Danube. Niveau prestige, on a vu mieux. L'armée de Palmyre se met donc en marche en passant par l'Anatolie, dans le but d'atteindre Rome et de réunifier l'Empire au nom de son fils. Cependant, Aurélien se met en marche de son côté aussi, avec l'armée du Danube, et rencontre l'armée de Zénobie vers Ankara. Il la refoule vers Antioche, puis Émèse, assiège Palmyre et saccage la ville. Zénobie cherche à fuir, mais est livré à Aurélien par les Perses. Aurélien profite aussi de cette période pour reprendre le pouvoir en Gaule, l'intégrité de l'Empire est restaurée. Pour peu de temps, certes. On ne sait pas comment meurt Wabalat, peut-être pendant le trajet vers Rome. Zénobie est emmenée en tant qu'otage, et à partir de là, les versions divergent. Un auteur dit qu'elle meurt de maladie ou se laisse mourir sur le bateau. Un autre raconte qu'elle est traînée dans le cortège triomphal d'Aurélien en 274 avant d'être exécutée comme Vercingétorix. Un autre, enfin, plus fantaisiste, prétend qu'elle est graciée après le triomphe d'Aurélien, impressionnée par sa beauté. Il l'aurait envoyée finir sa vie dans une villa de Tibur, aujourd'hui Tivoli, où elle aurait épousé un sénateur romain. La fille née de cette union aurait même épousé l'empereur Aurélien, mais puisqu'il meurt assassiné en 275, elle aurait été mariée très jeune, voire même avant sa conception. Au final, rien n'indique quelle version de l'histoire est la vraie. Ceux qui, au IVe siècle, se prétendent encore descendants de Zénobie ont toutes les chances de se rattacher à une ascendance glorieuse mais imaginaire, tout comme Zénobie le faisait avec Cléopâtre. Après la chute de Zénobie, la ville de Palmyre redevient une simple forteresse contre les Perses et disparaît de la grande histoire. Le règne de Zénobie, qui tente de s'imposer face à l'Empire romain, nous rappelle celui de Boudica, dont j'avais parlé dans mon tout premier Gentedame Badass. Et je vous reparlerai d'elle plus en profondeur un jour, d'ailleurs. Comme elle, Zénobie tente d'asseoir sa légitimité face à un empire parfois incompétent, voire abusif, mais échoue dans son entreprise. Zénobie est célébrée en peinture, à l'opéra, et elle devient même avec Palmyre un prénom en vogue au XIXe siècle. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Si vous voulez en savoir plus sur Zénobie et sur Palmyre, je peux vous recommander la lecture assez accessible et agréable de Palmyre, de Paul Vane, écrit après la destruction de la ville antique en 2015. Et je citerai aussi d'autres sources dans la description si vous voulez aller plus loin. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez dire Wabalat Auguste en commentaire pour montrer votre soutien à Zénobie, ça lui fera très plaisir. Je crois. Désolée aussi pour le long temps entre les deux épisodes, là la chaîne a été à l'arrêt pendant quelques mois parce que j'étais en pleine pré-production de la saison 2 de ma web-série, Time Warp, et c'était génial. Le tournage s'est déroulé fin juillet, début août, et ça s'est super bien passé, on a de beaux plans, de beaux jeux, et donc j'ai très hâte que vous voyez le résultat, en 2022 du coup. En attendant, si vous n'avez jamais vu la saison 1 de Time Warp, vous pouvez toujours la regarder, c'est l'occasion. Elle se trouve sur ma chaîne, sur une playlist dédiée, vous la retrouverez très facilement. Merci aussi d'être toujours présent, et donc je vous retrouve à très bientôt pour un chronique de prof. Merci !